Alors je vais couper déjà pour voir l'ambiance générale. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh! Alors, on a la présence d'une petite fille qui évoque l'enfance et on a l'élévation. On a une pyramide et mystérieuse cité d'or. Bon, alors, que dire de tout ça? Moi, ce que ça m'évoque, qu'il y a une... Alors, dans le bon sens, il n'y a pas de bon ou de mauvais sens, tout est expérience, toujours, pour moi. Ce que j'ai envie de partager là, quand je vois ces deux cartes, c'est qu'il y a l'idée d'une élévation, c'est-à-dire qu'on sort peut-être d'une forme de dépendance affective, de l'immaturité, de la victimisation, voilà, de ce type de schéma. On sort un petit peu de cette emprise là, ce carcan qui, moi, le triangle me fait un peu penser à ce fameux triangle Cartman, voilà, où on évoque le triangle du bourreau, de la victime et du sauveur. Ça m'évoque ça. Et ce qui se passe, c'est que ça parle de sortir d'une forme d'emprise concernant une éducation, concernant un schéma que l'on a pu perpétuer pendant un certain temps. Et à présent, ça m'annonce que ça peut être aussi pour certains d'entre vous qui sont peut-être très rigoureux, très méticuleux, très organisés, très... je dirais contrôlant aussi, parce qu'il peut y avoir quelque chose de comme ça. Ça me dit qu'il y a aussi l'accueil de votre part créative, en fait, de votre part enfant, de votre part enjouée, de votre spontanéité, d'accueillir les choses avec plus de légèreté dans votre vie. Voilà, on sort d'un enfermement, toutes tes pensées, je dirais, d'enfermement, de limitation, de culpabilité, de frein que l'on a pu avoir auparavant. C'est un peu comme si on s'élevait à sortir la tête de l'eau. Alors ça me parle de l'eau, je ne suis pas très loin du Lot. De l'eau qui me parle aussi des émotions, du domaine, enfin vraiment de tout ce qui touche à nos émotions. Alors, pour moi, les émotions, c'est quelque chose de très précieux parce que ce sont des indicateurs avec lesquels on apprend à se connaître, en tout cas à connaître surtout les souffrances auxquelles nous sommes attachés depuis l'enfance. Et avec l'élévation, ce que ça me dit, c'est que en fait, on sort de ça. C'est comme si on rompait quelque part un lien qui était en lien avec les mémoires du passé, les mémoires de l'enfance. Et on s'élève, on prend de la hauteur sur tout ça. Et dorénavant, dans le moment présent, qu'est-ce qui se joue? C'est l'évolution de votre vie, de votre mieux-être, de votre épanouissement, de vos projets, de tout ce qui vous fait réellement du bien et non plus ce à quoi vous aurez pu vous accrocher. Consciemment ou non, ou inconsciemment, à travers des blessures de l'enfance. Voilà, ça me parle de ça. Sortir des blessures de l'enfance et construire quelque chose d'autre, de plus lumineux, de plus joyeux, de s'élever vers autre chose, quoi, un autre monde aussi que ce qu'on a pu peut-être connaître auparavant. Voilà pour l'ambiance de la coupe. Eh ben, dis donc, ça commence plutôt bien. Accueillir sa joie, sa spontanéité. Je prends des notes à mesure parce qu'il y a des petites choses parfois, après je peux les oublier. Alors, donc c'est parti. Pour le signe de la Vierge, les signes de la Vierge, ascendant de la Vierge, s'il vous plaît, je vous demande à ce que les messages soient reçus et transmis avec plus de bienveillance pour chacun d'entre vous. Ok. Pour les aides, ceux qui vous appuient, vous avez ici la cigogne. La cigogne, elle annonce quoi? Elle annonce une période de naissance. Quelque chose qui a été en gestation pendant un certain temps dans votre vie. Quelque chose qui demandait maturation. Quelque chose qui demandait à grandir en vous. Comme un projet qui n'était pas peut-être sûr et certain pendant un temps. Là, c'est comme si il était prêt à être pondu, ce projet. En tout cas, c'est vraiment dans ce qui vous appuie, c'est
Ça peut être deux choses. Ça peut être soit d'être encore dans la maturation d'un projet, la maturation de quelque chose. Ça peut être en lien avec votre relationnel, ça peut être en lien avec ce que vous entreprenez dans votre vie. Dans... Vraiment, voyez ce qui résonne pour vous quand j'énumère tout ça. S'il y a quelque chose qui résonne pour vous, parce que c'est peut-être pas le cas non plus. Ça me parle d'une fécondité. Il y a quelque chose qui a pris forme, qui a demandé un certain temps avant de naître. Et peut-être que pour certains d'entre vous, pour ce mois d'août, il y a l'accouchement d'un projet. Ou, pour d'autres, ça peut être une gestation d'un projet, une idée qui est en train d'éclore en vous et de maturer, de prendre forme. Ça peut être aussi ça. Donc voilà, les aides, la carte des aides qui vous dit qu'il y a des choses qui prennent un temps pour tout avant de naître. Ne rien forcer quand ce n'est pas le moment. Et quand vous sentez que l'opportunité est là, saisissez-la et faites-vous confiance. C'est vraiment le conseil clé de cette carte. Voilà ce que ça me parle, ce que ça me dit. Et en plus, il y a donc le numéro 18 qui me parle vraiment de la lune dans le tarot de Marseille, de l'intuition. C'est vraiment ça, c'est l'intériorité, tout ce qui a maturé pendant une période d'introspection pour certains d'entre vous, qui finit à un moment donné par émerger, par éclore de toute cette compréhension que vous avez pu avoir, si c'est par exemple dans votre développement personnel ou la compréhension de soi. Peut-être que vous avez été observateur d'une certaine chose vis-à-vis de vous, de vos comportements, de vos schémas, parce qu'au début du tirage dans la coupe, on avait l'ambiance qui nous parlait de l'enfance et de peut-être d'un emprisonnement dans cette forme triangulaire. Donc voilà, ça me parle d'accueillir plus de joie et de naître à soi-même. C'est aussi de sortir d'un enfermement. Alors, qu'est-ce qui est de bon augure? Alors, on en a deux qui sont sortis. On a ici les travaux et on a le rat. Alors, là, ça me parle pour ce qui est de bon augure, c'est-à-dire ce qui va être l'opportunité pour vous favorable à l'aboutissement de ce projet, à l'aboutissement de cette naissance. On a... ici comme un travail intérieur, en lien avec ce qui ronge à l'intérieur. Quel est cet animal qui ronge à l'intérieur? Quelle est cette présence ou cette pensée parasite, nuisible, qui peut faire barrage à l'expression de vous-même? Il peut y avoir quelque chose d'un peu comme ça qui ramène à l'enfance et à la retenue d'exprimer peut-être vos réels besoins, vos réelles envies. Sans pour autant tomber dans l'enfant capricieux, mais plutôt prendre de la hauteur sur cela et en prenant en compte ce qui est en vous porteur de valeur que vous souhaitez semer, en fait. Vous, dans votre vie, quelle est la personne que vous souhaitez être? Quelle est la personne que vous... Enfin... Quelle est la personne que vous souhaitez être? Je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment approprié de le dire de cette façon, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que il y a peut-être l'idée de positiver votre vie, en cessant de vous lamenter, en cessant de peut-être... pointer à l'extérieur de vous ce qui ne convient pas et qui peut-être entraver à certaines de vos œuvres ou de vos pensées positives ou de l'investissement que vous fournissez dans vos projets. Ici, il est question en fait de prendre en main avec les travaux votre capacité à construire ce que vous souhaitez être et ce que vous souhaitez vivre. Ça, c'est personne qui va vraiment vous le dire,
Alors, il peut y avoir bien sûr des rencontres super chouettes, des gens qui vont vous inciter à vous écouter, à vous motiver, à vous tirer vers le haut, dans un sens où, voilà, où on élève un peu ses vibrations et on cesse de se lamenter, de courber les chines et de tomber un petit peu dans le parasitage. Ici, voilà, c'est vraiment l'invitation de bon augure, le travail qui est, enfin le travail, l'œuvre alchimique intérieure qui est en train de se faire pour vous, pour ce mois d'août. C'est vraiment ça qu'il y a. Il y a des travaux, quoi. Il y a des travaux en cours concernant c'est quoi ce qui vient vous ronger ici. C'est quoi ce qui. Et vous avez les capacités, le potentiel en vous, les chers créateurs de votre vie, et ben, de rafistoler tout ça et d'en faire quelque chose de neuf. Ou en tout cas, non pas pour occulter quelque chose du passé, mais juste pour transformer quelque chose de peut-être triste en quelque chose de plus harmonieux, par exemple. Et ça, ça va vraiment dépendre de vous, de votre volonté, de votre investissement. Et ici, on a l'idée des travaux, ça évoque le travail intérieur, ça évoque voilà, sa capacité, sa volonté d'action aussi. Ouais. Avec le numéro 23, ça me parle de quoi? D'écoute et aussi de communication. Et alors, que va être la surprise? Tout ça. Waouh! Et bien la surprise ici, c'est quoi? C'est qu'il y a une floraison, quelque chose de florissant, quelque chose qui est en train d'émerger de tout ça. Il y a comme une effervescence et une ferveur de vivre différemment. Alors voilà, celle-ci évoque aussi l'été. Mais pour moi, pas que. Elle me parle vraiment d'éclosion. Après le bourgeon, voilà, il y a toutes ces étapes cycliques. Ici, c'est vraiment quelque chose qui fleurit. C'est ça la surprise. Donc ça vient dire quoi? Ça vient dire que peut-être qu'aussi pour certains d'entre vous qui ont déjà... peut-être que pour certains, il y a besoin, enfin besoin, de s'investir davantage là-dessus. Ou pour d'autres, la récolte de ce labeur qui a été fait peut-être courant des mois précédents ou peut-être cet été. Ça me parle de ça. Pour la surprise. Je remets sur... je suis pas très loin d'une voie ferrée et un train qui venait de passer. Ça faisait vraiment beaucoup de bruit, alors j'ai préféré mettre pause. Hop. Alors, concernant comment débloquer le problème, potentiellement la solution, si c'est quelque chose que l'on voit comme un problème, quelle peut être la ressource de ce problème pour nous. Alors, on a le voyage ici. On a le voyage qui me parle de quoi? Qui me parle de prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur une situation pour aussi se ressourcer, se retrouver. Peut-être se détacher d'une situation un certain temps pour prendre du recul. Ça permet aussi d'y voir plus clair. Pour ceux qui seraient potentiellement dans, voilà, dans ce travail, enfin, quelque chose d'un peu introspectif, il peut y avoir quelque chose de comme ça. Ça parle de voyage aussi, donc mois d'août, peut-être que pour certains d'entre vous, il y en a qui partent en voyage, en vacances, peut-être que voilà, il y en a qui vont vers d'autres contrées, peut-être que ça parle aussi peut-être d'un déménagement, d'aller voir ailleurs aussi. Ça me parle aussi d'une forme de réussite sociale. C'est drôle, c'est comme si en allant explorer d'autres contrées, cela pouvait vous faire, en tout cas vous aider à réaliser peut-être d'autres choses, d'autres manières de voir la vie. Et peut-être votre vie. Qu'est-ce qui peut bloquer cette situation?
Alors, on a les finances. Donc, cela peut être pour certains d'entre vous, ce que vous aimeriez, c'est partir loin, prendre de la hauteur. On a un corbeau qui vient de se poser là-haut. Enfin, un corbeau, je pense que c'est plutôt un cormoran. Ou peut-être que c'est... Vu le bruit qu'il fait. Bon, bref. Donc, ici, on nous parle de quoi ? Ce qui peut bloquer, c'est les ressources financières. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est... ça va vous inviter peut-être à mettre de l'argent de côté. Après, le voyage, tout dépend quels sont ses besoins quand on voyage. Il y en a qui peuvent voyager avec pas grand-chose. Quelle est l'idée du voyage ? On peut très bien aller explorer des nouveaux secteurs sans forcément prendre l'avion et partir complètement au bout de la planète. On peut très bien juste prendre un bon sac à dos et des bonnes chaussures, un casse-croûte et partir, prendre un petit peu de temps, aller découvrir, je sais pas, une ville que vous aimeriez aller voir, si vous avez envie d'aller au bord de la mer, juste un week-end ou je sais pas, en tout cas. Ici, il y a comme un frein qui bloque, c'est les finances. Et moi, ce que j'ai envie de faire passer, c'est que ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas un frein, en fait. Alors, ça peut l'être, évidemment, c'est toujours plus confortable quand on a les moyens de pouvoir ne serait-ce que manger et dormir dans un endroit où on se sent en sécurité. Donc, il y a toujours un petit minimum pour chacun, mais qui est variable pour chacun aussi. Donc, voilà, ce qui peut bloquer, c'est que pour certains, il y a envie d'un voyage en allant loin. Donc si c'est le cas, eh bien, profitez de peut-être de mettre de l'argent de côté pour ce projet-là. Et si pour certains, ça peut être vraiment trop frustrant, réorientez peut-être la destination vers laquelle vous souhaitez à tout prix aller. Et s'il y a toute urgence d'aller explorer d'autres endroits, ça peut être aussi ça. Ce qu'on peut attendre de cette situation... ici on a un cadeau, donc ça nous parle de quoi ? D'une opportunité, quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous n'avez peut-être pas prévu. Il y a une opportunité, quelque chose de bon augure, voilà. il y a un cadeau, donc je ne sais pas en quoi ça peut, si c'est concernant les finances comme on avait évoqué par rapport au voyage que vous souhaitiez faire, ça peut être une proposition, ça peut être... pour vous, une nouvelle opportunité de vous autoriser à partir d'une autre manière. Ici, il y a le présent. Donc, que me dit le cadeau, qu'on nomme aussi le présent ? Ça me dit que, finalement, dans notre vie, qu'est-ce qui est un frein à vivre ce que l'on souhaite ? Bien souvent, c'est là-dedans. Hein, parce qu'on peut, on peut aussi se débrouiller avec pas grand-chose. Et... voilà, voyez ce qui parle pour vous, mais ici on a une opportunité. Ça me parle encore du 10, on a le 28 qui vient faire le lien avec le départ de l'avion, là. Avec le bateau ici, c'est la 10 aussi. Donc pour moi il y a une opportunité, un cadeau. Peut-être que c'est ça en fait, ce que vous pouvez attendre. Je pense que c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous offrir prochainement. Si c'est pas au mois d'août, en tout cas, c'est quelque chose que vous êtes en train de préparer. Pour moi, il y a quelque chose de favorable, en fait. Tiens, il est en train de se... Ouh, il y a une bête. Je suis à côté d'un buisson et il y a plein de canards et des bêtes. Mais là, il y a... Je sais pas ce que c'est. Peut-être un oiseau. Ou un lézard, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a un message supplémentaire avec l'oracle que j'ai pour... Quelle est l'énergie du consultant, par exemple ? Hop. On a le hasard qui est sorti. Donc c'est drôle, c'est comme si ça me disait que le hasard faisait bien les choses, justement, pour vous initier à, à expérimenter les surprises de votre vie. Ici, le hasard, ça me parle vraiment d'opportunités, comme si vous étiez en mesure de saisir, en toute confiance en fait.
les événements tels qu'ils sont et vous savez rebondir sur certaines des difficultés pour saisir finalement le cadeau qui s'en extrait de tout ça. Ça me parle de ça. Et avec le 7, ça nous parle de quoi? Ça me parle de cohérence, ça me parle d'alignement avec qui vous êtes vraiment. Et non plus avec des peurs, des conditionnements ou des croyances limitantes qui auraient pu entraver à ce que vous pensiez devoir faire ou devoir être. Voilà. Heureux hasard. Le hasard fait bien les choses. Je pense que, ouais. L'idée de suivre ça, son intuition, ça me parle aussi de quelque chose de comme ça. Sa cohérence, donc ce vers quoi vous tendez à aller sans pour autant vous éparpiller. Parce que le hasard, ça peut être, on se laisse porter partout et n'importe quoi, mais ça me parle quand même aussi d'un alignement avec le 7. Donc voilà, je pense que vous avez cette faculté de vous laisser saisir par les événements, les opportunités de la vie, tout en restant vigilant et cohérent avec votre projet qui est en cours. Voilà. Projet ou ce qui en ce moment est pour vous une source d'investissement dans selon le domaine de votre vie. À comment ça peut vous parler? Donc voilà pour Oracle G. Je vais demander avec les portes de l'intuition. Un message complémentaire, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge, les ascendants de la Vierge. Pour le mois d'août, por favor. Waouh, on a la clé. Gardez cette merveilleuse clé avec les ailes d'ange. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vous voyez, ça nous parle de quoi? Ça nous parle vraiment de confiance. Vous voyez ce qui vous parle, mais ouais. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est vraiment une invitation à vous ouvrir, en fait, à vos capacités d'adaptation, à vos capacités de ce que vous avez déjà appris, de ce que vous savez faire, mais aussi de ce que vous savez être. Et aussi de vous aventurer peut-être librement, comme ces deux ailes-là qui portent cette clé du cœur qui vous emmène vers, c'est peut-être ça, vers d'autres contrées, en allant vous permettre de vous découvrir davantage. Ça peut être une exploration de vous-même à travers un nouvel horizon. Mais ça ne parle pas que d'horizon physique, ça parle aussi dans quoi vous pouvez découvrir vos potentiels en allant explorer en fait des activités, je sais pas, ça peut être des choses artistiques, des loisirs, une activité qui vous plaît ou que vous n'avez peut-être pas osé faire jusqu'alors. Peut-être que c'est ça l'invitation ici. Magnifique. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Magnifique. Sous le paquet, on a la Renaissance. Donc je vous la montre. Un beau joyau étincelant. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc vous voyez, pour moi, là, ça me parle de quoi? Ça me parle d'accepter d'être un être lumineux, un être généreux, un être entier que vous êtes et sans frein, sans limite, parce que c'est souvent ça qui fait que ça nous barricade dans des dans ce qui nous empêche d'être profondément authentique. Et ici, c'est la Renaissance, donc je pense que vous repartez sur une nouvelle version de vous-même ici, hein. Magnifique. Voilà. Voilà pour les messages pour ce mois d'août pour vous. Allez, un petit dernier avec l'oracle des anges gardiens. Hop. Message complémentaire.
culpabilité qui est ressortie ici. Peut-être que c'est ça le frein. Ou ça m'a renvoyé là à la carte des travaux. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour, quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire. Du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc tout simplement l'invitation au pardon. On est là, voilà, on a le droit de parfois se tromper, faire des erreurs. Enfin, je ne sais pas si c'est des erreurs, non, c'est de l'expérience dans tous les cas. Donc abandonner toute forme de culpabilité par rapport à certaines situations. Je dis ça, je sais que pour certaines situations plus ou moins importantes, ça peut être difficile à entendre. Et pourtant, c'est vraiment ici l'invitation. Lâcher prise sur la culpabilité. Nous sommes des êtres humains et on n'est pas parfait. Enfin, on est parfait, je dirais plus, dans notre imperfection. Et voilà. Et je pense que c'est ça qui freine à la liberté d'être qui vous êtes, la culpabilité. Dans tous les cas, vous avez la clé. Vous avez la clé et il y a une renaissance en cours. Quelque chose en gestation et l'opportunité d'aller vers d'autres contrées, d'autres horizons. Ce qui est favorable pour vous, c'est finalement cette capacité de rafistoler ce qui a pu être... là où vous avez pu vous sentir blessé auparavant, vous avez les capacités et les ressources en vous de pouvoir changer ça. En tout cas, l'améliorer à votre sauce personnelle, à vous. Avec votre talent, vos capacités et votre foi en vous-même, de grandir et de faire, enfin de grandir, c'est un mot un peu, en tout cas d'en faire autre chose de toutes ces vieilles mémoires là, ces parasites, ces croyances du passé. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mois d'août. J'espère que ce tirage aura pu accompagner, éclairer ou faire passer juste un moment sympa à certains d'entre vous, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des accompagnements personnalisés. Donc vous avez mon adresse mail dans la description. Et je propose des soins énergétiques Lao Chi à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune. Donc vous avez le lien aussi dans la bas de ma description, mon lien Facebook. Voilà, merci, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et bye bye.